Alors les Deux-Sèvres, effectivement, comme l'ensemble des départements français, on a un nombre d'agriculteurs qui a plus de 50 ans qui dépasse les 50%. Et donc notre enjeu principal et notre défi, c'est le renouvellement des générations. D'un point de vue humain, pour effectivement maintenir des hommes et des femmes sur le territoire, et puis aussi maintenir l'activité agricole sur notre département. Donc oui, donc c'est une installation donc, sur la commune de Saint-Amand. Ça sera au futur normalement 35 hectares et en ovins viande, donc avec de la race romane et de la race vendéenne. Alors sur l'année 2021, on a eu 200 départs en retraite, 86 installations aidées et 40 installations non aidées d'agriculteurs de moins de 40 ans. Donc ça fait 120 installations, 126 précisément, pour 200 départs. Oui, j'ai pas voulu donner aux plus en francs et c'est Marion, pour moi, qui était mieux placée, quoi. Enfin, ah ben oui, avec son projet de mouton, moi c'est une production que je connais pas, que je connaissais pas. Puis que c'est pas mal tout compte fait, j'aime bien ces petites bêtes, moi. Moi, quelque chose que je suis très fière, c'est plutôt qu'une exploitation parte à l'agrandissement, je suis fière qu'un cédant transmet son exploitation à quelqu'un d'autre. Ben, en ovin, l'investissement n'était pas énorme du fait que, comme je m'associe avec la CAVAC, il y a leur plan Avenir Élevage qui permet justement de financer le cheptel. Donc j'avais pas un gros achat de cheptel à faire. La partie conséquente de mon installation, c'était le foncier. Et donc le portage du foncier qui m'a été suggéré par le Crédit Agricole et que la CAVAC m'avait parlé auparavant, a permis de justement lancer le projet en limitant l'enveloppe globale d'achat dès le départ. Ben, on joue collectif. Le fait de transmettre une exploitation, le fait d'imprégner tous les acteurs locaux, la SAFER, les banques, les groupements de producteurs qui ont les parts de marché, les coopératives agricoles, bon, pas que la CAVAC, mais les autres coopératives du bassin, des Poitou-Charentes. Ça, c'est du collectif pour qu'il y ait un avenir au niveau de la production ovine. Jouons collectif. Jouons collectif. Eh bien, jouons collectif.